À gauche de la maison, j'ai du gaillet croisette, des orties et là un magnifique sureau noir. Pour reconnaître le sureau noir du faux, qui est toxique et mortel, le sureau noir, il a du bois, voyez, il a du bois. Et le faux sureau noir, qui sent pareil et qui a les mêmes ombrelles, il a que des branches. C'est des branches comme ça. Et ça, c'est un arbre plus ou moins grand. Maintenant, je sais le reconnaître à 10 000%. Il est beau celui-là, il est magnifique. Et après, à la période hivernale, ça a donné des petits fruits noirs, petites billes, crottes de billes, comme je dis. Faites ça en confiture. Voilà. Et ben voilà. Du gaillet croisette. Et là, je vais me faire au moins avec 2 ou 3 litres de lait. Tout ça là. Oh oui, 3 litres de lait. Je vais me faire mes petites crèmes là. C'est bien que c'est celui-là, il n'est pas haut. Tu peux en cueillir, tu montes doucement sur le muret. Il y en a sur la route, enfin la route, les petites routes, j'ai vu plus loin, ils sont trop hauts. Celui-là, il est bien. Les gens, ils connaissent pas ici. Hein. Ah, magnifique ombrelle. Vous voyez, c'est du bois. Voilà. J'en ai vu du faux. Hein. Regardez comme elles sont belles, elles sont magnifiques les ombrelles. Sont jolies. Je vais pas tout cueillir. Ça, c'est la dernière. Voilà. Pas être gourmand. Là, j'ai de quoi faire. Oh oui, 3 litres de lait, ce que j'ai déjà à la maison. Plus ça, pour 3 litres de lait. Et ça, je vais le faire sécher avec les autres. Dans des cagettes. Dans la grange, entre les cagettes, ça fait de l'aération, ça sèche super bien. Mieux que dans les sacs en papier. Enfin, mieux, c'est différent. Voilà. Mmh, ça sent bon le miel et ça sent bon le sureau. Courage à nous tous, à bientôt. Là aussi, je crois qu'il y en a un, oui, mais il est haut celui-là. Les branches sont pas en bas. Voilà, à bientôt.